Donc la mixture, je viens de vérifier, la batterie, ça, la pompe, personne devant. 3, 2, 1. L'aigle de Fox Golf novembre Lima, bonjour. L'aigle, le Fox novembre Lima, DR400 au parking aviation générale. Non pour le moment, rien pour le moment. Et tu sais quoi, on va faire les essais moteurs d'ici de toute façon, puisque... Ok. Non, on s'avance là-bas, on risque de bloquer là. Ouais. Bon, alors. Bon, donc là je vais pouvoir les prévenir. L'aigle du Fox novembre Lima, rebonjour. Donc au parking aéroclub, je vais rouler pour pénétrer la piste et remonter la 07. Hop, les deux freins fonctionnent. Alors regardez un peu le courant d'air là-bas. Alors à gauche, les caps diminuent, la bille légèrement à droite, l'horizon est stable, l'indicateur à droite. Elle passe sur la ligne jaune? Ouais. Je voulais pas passer trop près de l'autre là-bas. L'aigle, le Fox novembre Lima, on pénètre sur là, il remonte la 07. Ah oui, c'est vrai, mince. Okay. Ouais, enfin, aligné. Ouais, je m'aligne et puis on l'aligne. Ouais. Il suffit d'appuyer sur le bouton, sinon celui qui est rouge, hein, comme tu le sais. Voilà, c'est parfait. Et pas regarder les caps à droite. Voilà, la bille est partie à gauche. Okay. Tu regardes devant, je vais juste la synchroniser. Voilà. Voilà. Hop là. Donc là on joue vraiment la sécurité en fait. Comment ? On joue vraiment la sécurité là. Il y a normalement avec un vent de face comme ça. Voilà. Tu me diras s'il y a quand même du... Non, j'ai dit des conneries parce qu'elle est quand même au milieu de piste hein, la bretelle. Hein. Ouais. Pour décoller de là, on serait sportif quand même. Prends max. Ouais. Encore. S'embourber sur l'herbe là. Ok, allez, hop. On est loin devant, hop, ok. PFI m'indique 0,64. 246 de l'autre côté, c'est bon. On est à 1200 tours. La caméra fonctionne, je la resynchroniserai tout simplement. Voilà. On est à 800 ici, un cran de volée. La pompe, il est 54. Ici, toi. Donc c'est 12h54. Le prochain point, c'est dans 13 minutes. Ça fait 13h07. Et sur les freins, pleine puissance, on est parti. Allons au plancher. L'aigle, le Fox novembre Lima, ligne et je décolle. Pas d'alarme, pas d'un actif. 54, hop, on tire. Légèrement de gauche. 70 nœuds. On est déjà à 80 nœuds tranquille. Alors 800, on est bientôt à... Voilà, plus 300 pieds. Ok,
garde les phares volés zéro, pas de pompe, pas de réchauffe, on garde les volets. Et on reste dans cet axe-là. On prend le 69, c'est-à-dire quelques degrés sur le côté. Voilà, 80 nœuds, c'est bien. Et j'allais m'arrêter à 1500 pieds, tu sais. C'est vrai qu'on se fait secouer. Hein. Ouais. À 67 nœuds, ça me va. 90 nœuds pendant 0,67, c'est bien. Et ouais, je pense qu'on va se faire secouer. Ouais. L'aigle de Fox Novembre Lima. Ah, donc on est parti, on a 2200 pieds. On quitte votre fréquence pour rentrer en contact avec TMA, approche heureux. Au revoir, bonne journée, bon vol à tous. Par contre, il me dit 32 minutes. Ah, ah bah oui, c'est vrai que oui, forcément. Encore 200 pieds. Ouais. Altitude, on va arrêter à 2005, là. Voilà. Il nous dit vent de phase 22, okay. Donc c'est simple, il est que le phase. Essence. Essence, ouais. Ah oui. Ok. On la tire. 2600 pieds, décidément. Voilà, on a atteint les 115, on met 2400. 50. Non, je suis en communication avec approche, c'est bon. On approche de... Voilà, j'essaye de le barrer. Évreux approche de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Ces espaces aériens d'Evreux ne sont pas actifs. Le transit est libre, excepté vertical terrain en dessous de 1000 pieds sol. Auto-information sur 119.7. Evreux contrôle airspace is not active. Transit is free, except over airfield below 1000 feet above ground level. Self-information on 119.7. One. Alors, 119.7. Donc moi ce que j'ai compris c'est qu'on fait de l'auto-info en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bon, Évreux, t'as là le terrain de Saint-André. Ouais, donc on va pouvoir mettre la fréquence sur Saint-André dès que j'ai réussi à le stabiliser. Je le mets. Ouais, s'il te plaît. 118. LFFD, je te le mets en... Non, parce qu'il a dit qu'on faisait de l'auto-info sur 119.7. Oui, mais Saint-André avant ah. Non, tout à l'heure. Bon, on en est encore loin de Saint-André. Oui, 10 minutes. On a plus d'un. Ouais, voilà. Ok. Ok. Donc là, t'as toujours un avec Évreux. T'es avec Évreux. Ouais. Bon, là, je suis bien montré. 66. Devant, il est toujours de face. Ok. Donc, de mémoire, on va croiser deux villes en jaune. Attends, on va relâcher un petit peu. Et, putain, on se fait secouer. Alors ah, ça c'est une forêt, enfin, je pense après la forêt ça va aller mieux. Donc on est ici, de toute façon s'il n'y a pas de machin on peut monter encore un peu. Hein. Non, on se fait trop secouer dans 3 minutes là, ah, ça a l'air d'aller mieux déjà mais... Voilà, 2005, ok. 7, la vitesse. Masquette. Voilà. Bon, c'est...
c'est pas trop mal là. Bien. 69, hein, c'est ça, 69. Alors, on a déjà un premier bled. Et peut-être bien déjà Breteuil, puisque de toute façon, regarde, on rentre dans la TMA. Donc, juste après la TMA, c'était Breteuil. Donc, ça, c'est Breteuil. On passe à droite, hein, c'est une bonne. On a des routes qui partent en étoile. Derrière, il y a des éoliennes, effectivement. Bien. Ça va aller vite, hein. Ouais. Ça va aller vite. Ah, oh, t'as 19 nœuds en face. Bah oui, hein. On est 95 nœuds seul. Ouais. Bon, donc en fait, 95 nœuds, ça nous fait un facteur de base. On est pour 13 minutes, hein. Voire même 14 minutes en fait. 20 minutes de ton prochain point. Ouais, tu vois. Ouais. Ah oui, carrément. Oui, non, mais attends, le prochain point c'est celui-là. Là, le point qu'on a rentré. Le point premier prochain... point qu'on a rentré c'est celui-là. Oui, EPME. EPM1. Ouais, c'est ça. EPM1 c'est celui-là, il a 20 minutes. Donc ouais, tu vois, exact. Ok, bonjour Breteuil. C'est Breteuil. Breteuil. Ensuite, on a la zone des éoliennes. Et on a une voie de chemin de fer quelque part en dessous. Ouais, j'ai l'impression que je la vois. Ah, je vois un truc qui fait un virage comme annoncé sur la carte. Et le plat P ici. Hein. Alors, on avait dit qu'on faisait de l'auto-information quand même. Évreux, TMA fermé 2, Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un DR400 en provenance de l'Aigle Oscar Lima, destination de Pontoise, 2500 pieds sur la secteur de la zone de TMA de Évreux. On a passé Breteuil et on se dirige vers Saint-André à 2500 pieds, le Fox Novembre Lima. Quand tu passes un message comme ça, tu as dit assisté en Pontoise ou assisté en Logne? Non, là j'ai dit Pontoise parce que pour eux, le plus parlant c'est que c'est Pontoise. Okay. Si je leur dis Logne, après de toute façon, ils savent pas où on va. Ouais, ok. Là-bas, ça doit être Verneuil. Les Éolaignes, ça y est, j'ai perdu. Ah là, non, c'est pas Verneuil, c'est Breteuil. Non, pardon, Breteuil, on l'a passé. Celui qui est là, voilà. Bon ben ça va, on n'est pas trop secoué là, c'est bien. Ouais. Ensuite, justement, dans les 2-3 minutes, on va tomber sur l'autoroute en question là. Et on verra ce que lui nous dit. Donc ça c'est... Là c'est Verneuil ça. Verneuil, ouais. Non, pardon, pas Verneuil, celui-ci, le petit patelin, la Ménil, au Foucon, quelque chose. Dameville. Non, j'ai Dameville. Ouais, c'est celui-là, voilà. Ah ouais. Oh ben, à la rigueur, tu peux... Non, j'ai pas touché. J'ai pas touché, mais j'ai pas... Bon, ça se fait pas, mais... Ça fait bizarre quand on n'est pas pilote. Hein. Ouais, c'est... Encore que tout à l'heure, moi j'en ai profité, hein, je regardais bien le paysage et tout. D'ailleurs, à un moment donné, je ne savais plus trop où on était sur le log. C'est tellement tentant de regarder et d'admirer. Alors, on a Breteuil, on a effectivement, bah tiens, la ligne de chemin de fer, j'en ai parlé tout à l'heure, machin, mais tu vois, on dirait qu'on a bien la route là qui fait. Bon, hein, l'arc de cercle, je ne vois pas, mais je vois la route et je vois derrière la ligne de chemin de fer qui part dans la direction qui m'intéresse. Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est ça.
coup le chemin de fer. Le chemin de fer qui part comme ça en principe c'est celui-là là. Ah oui, entre les arbres là avec le ok. Ouais. Notre vol et... Pardon, j'arrive pas à... Non, non, mais vas-y, hein, ça m'aide pas. Ah non, non, pas du tout. Il vaut mieux qu'on soit être vigilant que tout seul, hein. Non, mais bon, bah oui, quand j'essaie à droite, j'ai toujours trop peur. Ah ouais. Non, non, t'inquiète. Enfin, t'inquiète. Bon, là-bas, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à l'autoroute. Saint-André. Quand on a passé Saint-André, on se mettra sur leur fréquence. Ouais, tiens, tu vois, regarde. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, la voie déjà, elle est magnifique. Ouais. Alors, si je veux... Voilà, je vais me réaligner sur la route, en fait. Voilà. Je vais mettre sur celle-ci pour être bien dans l'axe. Là, tu regardes. Ah, bah, tu vois, regarde. Je l'ai pas regardé, lui, mais je sais qu'on n'est pas sur le point de vol. Hop, par contre, on est 100 pieds trop haut. Un petit château, là-bas. Personne en vue. Les caméras fonctionnent, c'est bien. Parce que de mémoire, je l'avais légèrement... Alors avant le pont, avant l'autoroute, ouais, c'est une petite ville blanche. Voilà. Alors derrière, on a une ville jaune, donc je vais me positionner radicalement à gauche. Y a pas quelqu'un qui va nous faire une mauvaise surprise là, non. C'est vrai que la prochaine ville, là-bas, on la voit bien, la ville qui est jaune sur la carte. Hein. Elle est plus massive, quoi, comparée à celle sur laquelle ah. on approche. Un peu de symétrie, ça fait pas de mal. Ouais, donc j'ai ça, positionné assez large. C'est ça, dans le terrain. Ouais, Saint-André, il doit être quelque part là-bas, ouais, on va passer. Saint-André, ça doit être ça, ouais. Ouais. Ok, Saint-André. T'as pas dit à Chevreuse que tu quoi que non. Reste après, tu peux revenir leur dire après. Fox Novembre Lima, on est vertical de la Nationale 154, on vous quitte pour passer en contact avec Saint-André. Saint-André de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Saint-André, le Fox Novembre Lima DR400 en provenance de l'Aigle, destination de Pontoise, actuellement vertical 2500 pieds de la N154, visuel sur les installations, on passe donc à l'ouest de Nautique, environ à l'ouest de vos installations. Voilà, tu vois, il est 08. Ouais. Donc 8 et 2 ça fait 10, ça fait 20. Le prochain point donc ça sera la Seine avec Mantes-la-Jolie. Donc quelle fréquence tu veux que... Non, c'est bon, reste à la fréquence là. De toute façon après on va revenir sur... Ah remarque si t'as raison, on passera sur 125.7, c'est une info. 125 décimal 7, c'est ça voilà. Elle est en stand-by. Ouais. Paris, ACC. Et dit la symétrie, garçon. On est 70 nœuds, on est toujours à légèrement de gauche, là. Parce que je remarque aussi, il tire toujours à gauche. Ouais. En fait, c'est vrai que avec le genou, j'ai un peu de mal, en fait. Là, j'ai toujours la main qui est comme ça. Ce qui est vrai que c'est dommage, parce que c'est pratique quand même pour... poursuivre avec le doigt, mais bon. Alors on est ici, voilà, on approche. Saint-André, bah, il est où Saint-André? Il est là. On est vers la mi-piste. Le petit truc, il allait en gare. Ah oui, ça y est, ok, je l'ai cherché dans l'autre sens, ouais. Saint-André de Fox Novembre Lima, visuel sur vos installations, on est un nautique sur votre ouest, 2500 pieds toujours, en direction de Pontoise. Sur leur nord. Long sur leur ouest.
Nord-nord-ouest, Fox Novembre Lima. Moi je regarde ici, on, ouais. Ah, tiens, on vient de le voir passer, t'as raison là. Ah, ah non, on l'a passé tout à l'heure même, j'y ai plus pensé. J'avais envie de dire sur la gauche, mais... Ah ouais, c'est pas en quelle gauche hein. Ouais, laquelle, la bonne ou la mauvaise? Alors là-bas on a du monde. Waouh, 2600 pieds. Bon, bah Saint-André, c'est joli, c'est un petit patelin, enfin, une grande ville. Ouais, c'est réservé, non? Oui, c'est un terrain réservé. Ouais. Ça doit être par rapport au planeur, non? Peut-être aussi un petit peu? Non, je sais pas. Ok, je m'en rappelle plus, j'ai pas regardé. On est à... Ah, tiens, ça y est, on a pris du 105 nœuds de face. Enfin, non, 105 nœuds sol, pardon. On a toujours nos 19 nœuds de face. Ton prochain point c'est quoi? Alors le prochain point ça sera la Seine. Ouais. Ici là. Ok. Voilà, hop. Et on va sortir de la TMA, on va sortir de machin. Ah tu quittes, tu peux quitter. Ouais. Saint-André. Ouais. Saint-André du Fox Novembre Lima, donc on est au nord de vos installations, quitte votre secteur, toujours 2500 pieds en direction de Pontoise. Au revoir, bon après-midi et bon vol. Australia 5-9-6, vous affichez 70-13. 70-13, Australia 191. Donc là, il y a un petit patelin ou deux à éviter. Ce Sierra Lima pour vous qui dépasse avec l'ogne. Sierra Lima, c'est bien reçu, 7000 en transpondeur, vous pouvez passer avec l'ogne. Bon après-midi à vous, au revoir. Ah ouais, c'est le Sierra Lima, c'est le nôtre. Ah oui, Paris Info de Fox Oscar Zulu, bonjour. Ah alors on va les appeler. Ah déjà Fox Oscar Zulu pour une information, bonjour. Ouais ouais. Fox Bravo Novembre Oscar Zulu, DR250. En provenance de Côte-sur-Loire à destination de Chavenay, je viens de passer Tempes et de quitter Sanapo à 2500 pieds QNH. Oscar Zulu, vous affichez 70-06. 70-06, Fox Oscar Zulu. Paris Information du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Saint-91, Paris Info, vous êtes identifié. Ici, Express 191, merci. Ah non. Paris Information de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Bon, elle ne reçoit plus peut-être... Oscar Zulu, Paris Information, donc vous êtes identifié, vous allez transiter par le sous Chevreux. Transiter par les étangs de Hollande, donc je ne sais pas si je dois contacter le sous Chevreux. Oscar Zulu, bah écoutez, passez avec eux, donc pour votre info, dans 2 minutes, ça sera 2000 pieds max, et Steve Chevreux, ça sera 119.3. Je descends de 8 pieds et je contacte Steve Chevreux sur 119.0, Fox Oscar Zulu. Juste en dessous, là. 119.3. Ah ouais. 119.3, Fox Oscar Zulu. Paris Info de Fox Québec Echo, bonjour. Québec Echo. Ouais. Donc là tu vas contacter qui? Bah là j'essaie de contacter Paris Info mais ils veulent pas boire non. 125.7 et ah il est 129.6. Non ça c'est ce que j'avais marqué mais ce matin tu m'as dit que c'était 127.5. Ah. Donc ça se trouve... Paris Info de novembre 21-65 novembre, Paris Information, bonjour. 65 novembre, Mounet en provenance des Tempes à destination de Caen. Je viens de quitter Seine Info, bientôt travers Dreux à 2000 pieds. Je suis sous plan de vol VFR. 65 novembre, vous affichez 70-04. 70-04, 65 novembre.
Paris, information de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. Bon. De toute façon, ça va servir à rien parce qu'on va les quitter dans pas longtemps, donc... Ok, la fréquence d'après, tant pis. Bon, 4500 pieds toujours, après ça sera du 2500. Paris Info de Fox Québec Echo. Donc là-bas, c'est le point suivant. Et là où ça va devenir intéressant. Ouais. On est 108 nœuds, 15 de face. 65 novembre, Paris Info, vous êtes identifié. 1800, ça va pas du tout ça. Alors 65 novembre pour votre info, réception fréquence est très très mauvaise hein, dans ce coin. Donc n'hésitez pas à contacter Deauville après l'Aigle hein, si je vous réponds plus. Ah, okay. J'ai bien pris 65 novembre, Deauville après l'Aigle, c'est ma réception. Je te mets la fréquence d'après, ouais, s'il te plaît. Paris Info depuis 11h, 10h maintenant, 2 nautiques, gauve droite, c'est 572, même altitude. Ouais. 2 sur 5. Delta Echo, je confirme, trafic midi, 11h, 1 nautique, gauche droite, c'est 972, 100 pieds haut. Donc là... Fox Hotel X-Ray en sortie pour quitter la fréquence et passer avec Chavenay. Donc là, on descend. Fox Hotel X-Ray, transpondeur 7000, quitter la fréquence, bon retour sur Chavenay, au revoir. Merci, au revoir. Fox Delta Echo, trafic plein travers gauche, moins la nautique, c'est 972, même altitude, visuel. On vient de le croiser, Delta Echo. Taïko reçu, identifié, faites route vers Pontoise pour une intégration en base 05. Vers Pontoise, intégration 05, base, faites des Taïko. Fox, Romeo Tango, trafic 1h, 1 nautique, même route, même sens, évolution locale, VFR inconnu, 600 pieds bas stable. Information, trafic reçu, Fox Romeo Tango, et on a passé le tour à Sierra Whisky, on quitte la fréquence pour poursuivre vers Saint-Cyr. Je vous rappelle, Fox Romeo Tango, nouvelle information de trafic, 11h, 1 nautique, gauche droite, VFR inconnu, 700 pieds bas stable. Information, trafic reçu, j'ai le visuel sur le trafic, Fox Romeo Tango. Si vous avez le visuel sur le trafic qui vous croise juste en dessous, 500 pieds bas. J'ai le visuel sur le trafic, Fox Romeo Tango. Fox Romeo Tango, sortie, transpondeur 7000, quittez la fréquence, bon retour sur Saint-Cyr, au revoir. Transpondeur 7000, je quitte la fréquence et je poursuis vers Saint-Cyr, Fox Romeo Tango. Ok, on appelle. On fait le même sens, on arrive mes rues, 1450. Monsieur Fox, Mike Fox, un trafic ULM est dans le secteur de mes rues actuellement pour... il est à 1500 pieds au QNH 1026, vous l'avez peut-être en visuel. Visuel, il est parallèle à notre route, Mike Fox. Monsieur Mike Fox, eh bien écoutez, maintenez le visuel, vous êtes en sortie, transpondeur 7000, ah bah non, vous n'avez pas de transpondeur. Bon vol sur Dieppe et à bientôt, au revoir. Infiniment pour tout, bonne journée à vous, au revoir. Pontoise, Fox Golf Nord, bonjour. C'est Golf Nord, Pontoise, bonjour. R44 Fox, Hotel Romo Golf Nord, des boulis d'eau vers une DZ à l'ouest de chez vous, au sud de Gisors, avec l'info Golf, on est 1400 pieds, 1026. Au sud-est des bureaux pour monter dans votre TMA et on se passera ensuite à l'ouest de la CTR. Fox Golf Novembre, transpondeur 4236. 4236, Golf Novembre. Pontoise, j'approche de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, Pontoise, bonjour. Pontoise, donc le Fox Golf Novembre, Novembre Lima, un DR-400, deux personnes à bord en provenance de l'Aigle à destination de l'île d'On, ensuite un transit est vers Lognes. Actuellement 2000 pieds, on arrive vertical au route à 13, donc à l'ouest de Mantes-la-Jolie. 2000 pieds pour un transit ensuite de la TMA en direction de l'île Adam. Fox Nord, Bonima, transpondeur 4230 et je rappelle. 4230 au transpondeur. Tourné au golf identifié, montée 2000 pieds, QNH 1026. Ah bien, 4230. Ouais. Donc il est 19. Ah, Fox Nord, c'est pas pris. Fin novembre, montée 2000 pieds QNH 1026 identifié. Reçu, on monte 2000 pieds 1026, Golf Novembre. Ce Delta Echo, entrée, vent arrière main gauche 05, rappelez vent arrière. Vent arrière 05, je rappelle vent arrière Delta Echo. Ce novembre, Lima identifié, transité 2000 pieds QNH 1026 dans les espaces de Pontoise. Transit avoué pour le QNH, à 2000 pieds pour le Pontoise QNH 1026, reçu, merci. En haut, 26. Je peux afficher 2000, donc ça arrive à plus tard. 2000.
Est-ce qu'elle peut avoir raison? On passe Singo Express, ça serait pour monter à 2004 sur un exercice seulement. Voilà. Ok, on est bon, on est stable, 2450. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller en ligne droite. Papa Juliette, bonjour. Venez là. Ah, c'est très joli par ici, là. Je suis un plan Pontoise, bonjour. Alors, on va se faire Pontoise, dépose de l'hôtel Papa Juliette, bonjour. Merde. On va se faire venir direction du Touquet pour transiter. Voilà. Monsieur Papa Juliette, transpondeur 42-31. 42-31 transpondeur Papa Juliette, on va transiter vers 2500 TQNH si c'est bon pour vous. Papa Juliette, je vous rappelle pour le transit. C'est comme dit Papa Juliette, en stand-by. Tango X-ray, trafic 1h de nautique, route opposée, DA40 en évolution locale, 500 pieds bas stable. Tango X-ray, pas visuel là. Taïko, trafic 1h à nautique, évolution locale, 7972, 600 pieds haut. Ce Golf Hotel, Papa Juliette, identifié, montée 2000 pieds QNH 1026, confirmez le type de l'appareil. Papa Juliette, on est dans un DR400, on est actuellement à 2000 pieds, est-ce qu'on peut monter à 2500 pieds QNH? Pour le moment, 2000 pieds QNH 1026, je rappelle pour plus haut. Bien copié, Papa Juliette. Soise de Tango X-ray, on a un cap 210, ce serait pour monter vers 2400 pieds pour un seul exercice. Vous êtes prêt à prouver monter 2500 pieds QNH? Monter vers 2004, Tango X-ray. Petit château en approche à gauche. Je devrais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? On a du vent de face toujours, 18 nœuds. Mon cap c'était 74 pour aller à Chambly. Ah là, et on passe à la verticale d'un petit château. Le vent de gauche de nœud, autant dire rien. Papa Juliette, confirme la destination, le Touquet, c'est correct? Papa Juliette, le Touquet, c'est correct. Merci. On passe au-dessus d'une route. Il y avait des lignes de tension tout à l'heure, t'en as vu toi ou pas? Non, j'ai pas fait attention. Non. Je regardais pas donc. On peut faire Tango X-ray en descente de vers 1500 pour réintégrer. Tango X-ray reçu, faites route vers Nord Whisky. Route vers Nord Whisky, Tango X-ray. D'accord, ok. Dans 30 secondes. Et juste en face à gauche, en bout d'aile, légèrement en arrière, ta porte monte chez Lance. Delta Echo numéro 1, rappelez d'un virage, piste 05. Ok, on est là. Très bien. Ah, c'est Paris là-bas? Delta Echo numéro 1, rappelez dernier virage, piste 05. Et l'ouest de Paris même. Donc là, techniquement, on va passer sur la CTR. Ouais. On doit y entrer. Papa Juliette, information de trafic 1h à nautique, même route, même sens, en base droite 10 au Muro, trafic VFR inconnu à 900 pieds bas. C'est copié Papa Juliette, j'ouvre l'œil. On est au-dessus de terre, donc on les contacte. Bah, non, bah non, parce qu'on est au-dessus. Copie X-Régolf, prêt au point d'arrêt Alpha 05. X-Régolf depuis la voie Alpha, alignez-vous piste 05, autorisez décollage en 0,80 degrés, 15 nœuds. Sorti X-Régolf depuis Alpha, je manie piste 05, autorisez décollage. Tango X-ray depuis Novembre Whisky, entrée basse gauche 05, rappelé en base. Fox Call X-ray, Bravo Juliette, bonjour. Bravo Juliette, Pontoise, bonjour. Fox X-ray, Bravo Juliette, parking Espano, 7950, demande de tour de piste avec information Golf. Tour de piste, c'est correct? Ouais, tour de piste, Bravo Juliette. Juliette, roulez point d'attente 05, taxi Alpha, rappelez point départ. Je roule point d'arrêt Alpha, via Alpha, Bravo Juliette. Tango X-ray, entrée en base gauche 05, appelez en base. En base gauche 05, ce sera incomplet, Tango X-ray. Oui. Delta Echo numéro 1, rappelez dernier virage 05. Numéro 1, je rappelle dernier virage 05, Delta Echo, ça sera pour un toucher. Si. Donc ce Golf Novembre, information d'un trafic 1h de nautique en croisement, 7972, 200 pieds bas en descente vers Pontoise. Très bien pris, on ouvre le Golf Novembre. Bon, il serait par info, un trafic hélicoptère, pas vers droit, 3h, un nautique en croisement, 200 pieds haut. Tango X-ray.
Pontoiseau, Fox Golf Charlie Sierra Mike, bonjour. C'est Sierra Mike, Pontoiseau, bonjour. Fox Golf Charlie Sierra Mike, un C572 au parking Hispano-Suiza devant mise en route IFR pour un vol vers Rouen. Mike, aussi, je vous rappelle avec la mise en route. Ah, Mike. Bonjour Philippe. Bonjour Bernard. Donc, Papa Juliette, information de trafic, 11h, 3 nautiques, gauche, droite, DR 400, même altitude, en route vers la verticale de Pontoise. C'est copié. C'est visuel ? Pas visuel encore, je reste au volet. Papa Juliette, pour monter à 3000 pieds QNH. C'est négatif, je vous rappelle. Ok, donc là on est à 2 minutes derrière de la verticale, là, à peu près. Ah, ah oui, je vois le terrain là-bas. Ouais. Je vois pas Juliette, le trafic signalé midi, maintenant pour 2 nautiques, gauche droite, DR 400, même altitude. Si vous le souhaitez maintenant, vous pouvez monter 2500 pieds QNH 1026. C'est copié, c'est visuel, Papa Juliette, en montée, 3000 pieds, c'est bien ça? 2500 pieds QNH 1026. 2500 pieds en montée, c'est visuel. Jean Rolima, trafic travers droit, 3h, 1 nautique et demi, il va croiser secteur arrière, DR 400, il a visuel. Très bien reçu pour le novembre Rolima, on le voit pas, il est en soleil, mais on le surveille. Fox Sierra Mike, il est 26, votre mise en route est approuvée, transpondeur 1000, vérifiez bien votre identifiant modeste et rappelez pour rouler. Mise en route approuvée, transpondeur 1000, on vérifie l'identifiant Fox Sierra Mike. C'est novembre Lima, trafic midi, 1 nautique et demi, gauche droite, c'est 972, 600 pieds bas, en basse gauche 05. Reçu pour novembre Lima, visuel. Fox Delta Echo, autorisé atterrissage 05, vent 0,70 degrés, pardon, autorisé toucher 05, 0,70 degrés, 15 nœuds, rappelez vent arrière. Ah ouais, autorisé toucher 05 Delta Echo. Ok, ah oui. Ce Golf novembre, vous arrivez à Magny, maintenant sortie, transpondeur 7000, quittez la fréquence, bon vol sur Gisors et à bientôt, au revoir. 7000 et on quitte Golf novembre, merci monsieur, au revoir. Wilfred, base 05, complet. Wilfred numéro 2, le précédent au touché, rappelé compte final. En cours, c'est par Wilfred. Ce sera un cap 086, je crois qu'on soit à 1300, on va demander à descendre avant. Essence, elle est sur 4, le réservoir il s'est presque vidé. Ouais, on est bon, 2000 pieds, on est toujours sur la route. Et il est à notre droite, ok, pas de problème. La fréquence suivante, ça sera donc pour moi Paris Info 125.7. Bah, Juliette, je vous relève un petit peu haut. Hein. 2500 pieds maximum, s'il vous plaît, au QNH. 1026. C'est copié, je rectifie le QNH, Papa Juliette. Et lui, il est à droite, je le vois plus. Ah, non. Donc on voit bien toute la zone de Nanterre et tout ça là-bas. Ouais. En tour. Ouais. Ouais. Moi, je te tiens à 2000 pieds là. Bronche pas, ça fait plaisir. Bah, Juliette, redescendez 2000 pieds QNH, vous avez une erreur sur votre alticodeur, hein. Donc je vous relève à 2800 pieds. Bah, Juliette. Ça passe Juliette, oui, je vous reçois. Donc voilà, vous êtes stable, je vous relève trop, hein. Vous êtes à 2800 pieds pour moi, donc redescendez 2000 pieds QNH 1026, s'il vous plaît. C'est copié, en descente, Papa Juliette. Poste de Taïko. Écoute. Poste de Delvent, s'il vous plaît. 0,90 degrés, 12 nœuds, maximum 17 nœuds. Comment est-ce qu'on peut faire une boucle pour la 12 en finale? Appelez base gauche pour la piste 12, Fox Delta Echo. Base gauche, piste 12, Delta Echo sera complet. Fox Tango X-ray, autorisé atterrissage piste 05, vent 0,90 degrés, 12 nœuds, 15 ou maximum 17 nœuds, laissez rouler pour bravo. C'est un peu extra, je prends en matériel. Je sais, il est passé dessous, d'accord. Bon Juliette, on est prêt au départ. Bon, on est vertical. Bravo Juliette, maintenez pas d'attente, trafic final, je vous rappelle. Moi je suis en Juliette. Attends, bon, il est à gauche. Ouais. Non, ça c'est juste une sécurité à un moment donné, pas pour tout de suite. Ouais. Avant
Alors, Wallima a débuté la descente 1500 pieds, QNH 1026 en route vers l'Isle-Adam. Très bien reçu pour le novembre Wallima, on débute pour descendre à 1500 pieds QNH 1026. Fox Novembre Wallima. Vous allez l'appeler justement. Ouais. En fiche, comme ça, ça sonne à 1500. Alors je vais pas accélérer surtout. Fox, bravo Juliette depuis la voile, Falligny, vous piste 05, attendez. Falligny, bravo Juliette, on attend. Tango X-ray, une fois contrôlé à droite par Bravo, roulez Hispano, quittez la fréquence au parking. Bon après-midi, à tout à l'heure. Très bravo, parking, à tout à l'heure, merci. Donc là je me positionne volontairement à gauche, okay, pour être sûr de ne pas aller voir Paris trop près. Ah. Ensuite de toute façon la bordure nord c'est là-bas. Il y a une autoroute qu'il ne faut pas franchir et ensuite il y en a une autre, il y a les lignes de tension si on les trouve. Fox, bravo Juliette, autorisé décollage 05, vent 0,90 degrés, 13 nœuds, maximum 17 nœuds, rappelez vent arrière. Ok, bon, on décolle et on rappelle vent arrière, bon Juliette. La descente elle continue. Ouais. Ah bah Juliette, c'est ok pour l'altitude pour vous là hein. Là, je vous relève à 2200 pieds au QNH. Bah écoutez, il y a un petit souci, moi je l'ai à 2000 pieds là. Et mon sur mon transpondeur, je suis à FM 018. C'est bon, merci. Ça, donc avec un QNH 1026, ça fait 14 pieds d'écart, donc ça fait 2200 pieds au QNH. Donc en fait, c'est quand vous êtes à 2500 pieds, je vous relève à 2800 pieds. Donc ça gêne De Gaulle. Je crois qu'il est jaune sur ici. Passe à gauche, j'ai le Taiko. Taiko numéro 1, rappelez Courte Finale 12. Courte 12, vite Taiko. Port de Fox Golf Charlie Sierra Mike, train roulé. Fox Sierra Mike, vous êtes à l'essence ou au parking sud? Sud, Fox Sierra Mike. Fox Sierra Mike, roulé, point d'attente 05, taxi au Alpha, rappelez à 3 minutes pour la clairance. Je roule vers la 05 via Alpha et je rappelle à 3 minutes de la clairance, Fox Sierra Mike. Go X-ray pour information, le Fox Sierra Mike qui va quitter le parking Hispano pour le point d'attente. Visuel. Ah ok, d'accord, on a la 7. Tango X-ray. La 7 l'Oise. C'est Tango X-ray, on a visuel, oui, on tourne avant. Parfait, à tout à l'heure. Il y a pas à droite. Le point tournant, il est là-bas. Donc c'est Delta Echo autorisé atterrissage 12, vent 0,80 degrés, 16 nœuds, maximum 18 nœuds. Autorisé atterrissage 12, Delta Echo. Pontoise du Fox Novembre Lima pour descendre 1300 pieds et ensuite passer l'île Adam. Vous pouvez descendre 1300 pieds si vous le souhaitez, Fox Novembre Lima, rappelez pour quitter la fréquence. On descend 1300 pieds, on rappelle pour quitter la fréquence de Fox Novembre Lima. Novembre Lima. Ah là, je vois le pont là-bas. Bon, on va se stabiliser 1400, on est bien. Ok. Non, ça me plaît pas. 1300 c'est bien. Non c'est pas ça, c'est que j'ai une tendance à monter assez facilement. Donc comme là en plus il va y avoir plein de contrôle à faire. Je vois la colline, il y a une colline, il est un peu... Ouais non, bah, on passe de toute façon à droite. Donc on arrive au point de Novembre Lima, vous arrivez secteur nord de l'île Adam, sortie. Transpondeur 7000 qui était la fréquence. Bon retour sur l'ONI, à bientôt, au revoir. Transpondeur 7000, on quitte la fréquence, au revoir, bonne journée. Bonne journée également. S'il te plaît, je change. Ouais. 125, décimal 7. C'est ça. Alors, Nanteuil, ça sera un 4,86. Il est 34, on arrivera sur 35 à peu près. Donc, on est dans les temps. 4,86, on est 4 sur le réservoir. Le secondaire, il est vide. On peut remettre la tirette. On est bon, 1300 pieds. On passe au-dessus des patelins. La fréquence celle d'après, je te mets quoi 125,7, toute... ah oui celle d'après, je sais pas, je te dirai ça tout à l'heure, là, mais bon pour l'avant. Ok. Par contre je suis dissymétrique à souhait. Donc là on est sous la TMA pour ainsi dire, donc on va faire attention à l'altitude. Encore plus que tout à l'heure. Alors en principe j'avais dit que je continuais, je prolonge juste au petit lac et je prends mon cap.
Ça c'était juste pour éviter deux patelins qui sont un petit peu plus loin, sinon on va trop se les survoler. Donc on est peinard en faisant ça. Ah si tu peux mettre... ce qu'on peut mettre tout de suite là c'est la fréquence de LFPPA, là, 120.4 pour les écouter. 120.4, décimal 4. Ça doit être persan. Paris Information, Fox Alpha Charlie. Fox Alpha Charlie, Paris Info, bonjour. Tu vas l'écouter, je le mets déjà. Fox Golf Lyon. Donc Tango Charlie en final 07. 119.5%. Ah, 119.5, pardon. Personne à bord. Okay, Alpha Charlie, Paris Info, je reçois 1 sur 5. Par contre, je vous ai en... 86. Ok. T'es dans classe 1, à gauche. Ouais, c'est ça, voilà. Donc nous, on reste de ce côté-là, et au risque de l'autre, il n'y a pas de problème. Ok. Ah, c'est très beau, hein, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Je suis un petit peu à droite, là. À gauche. Voilà. Ah, ça va. À la 1300. Là. 2500 tours. Ouais. Voilà. Et on prend 86. Ok, c'est bon. Toi, ils sont juste de l'autre côté en principe. Et on voit le terrain là à droite. Persan. Ouais. Persan du Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Persan, le Fox Novembre Lima, DR400, provenance de Pontoise à destination du Plessis, 1400 pieds, on transite au sud de vos installations, on franchit Paloise. Tu t'approches trop de cette aire de Paris, hein. À gauche. Persan de Papa Lima, provenance de Beauvais, nous sommes à 1 minute verticale terrain, 1500 pieds clonage, pour s'intégrer en vente arrière probablement pour la piste 10. On est pas haut là, on le sent. Ouais. Persan de Papa Lima, verticale des installations, je vais descendre pour m'intégrer en début de vente arrière pour la 10 Herbe. Persan, le Fox Novembre Lima, on est à l'aise de vos installations, on vous quitte, au revoir, bon après-midi, bon vol. Au revoir. Hop, trop tard. 200 pieds, on va repartir. Là, t'es pas avec Paris Info, c'est ça? Ouais. Paris Information de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Ah, toujours pas. C'est quand même bizarre, ça. Le Plessis Belleville dans 4 minutes. À ce moment-là, on va passer sur leur fréquence. Je mets la fréquence. Je passe sur Plessis Belleville. Ouais. D'accord, moi je voulais être là-bas en fait. Je suis du mauvais côté de la ville. Et je mets la TIS en stand-by. D'accord, ok. De toute façon, on a encore Paris Info derrière. Ouais, tu me diras. Ils vont pas répondre.
Je te le remercie de pas grand-chose. Fox Tango Charlie en finale 07 Tiens. Alors il est où là? Il est à 7 minutes là. On a dit quoi le Plessis? Le Plessis du Fox Golf novembre Lima, bonjour. Le Plessis, le Fox novembre Lima, un DR400 en provenance de Pontoise à destination de Logne. On fait un transit de l'ouest vers l'est. Donc on va passer à proximité au nord de vos installations. On a peut-être un visuel sur votre terrain. On est à environ à 2 nautiques, 1200 pieds actuellement. Ici des Fox Fernand, on est en vent arrière, donc 1100 pieds au Plessis pour un toucher 07. Reçu le Fox novembre Lima, monte à 1300. Ah, il est où le terrain? J'ai pas vu. Il m'a semblé qu'il était à droite, mais je suis même pas sûr en fait. Ouais, il devrait être un peu plus loin en fait. Je vois plus loin qu'on est réellement. Là, on se fait tabasser là, c'est terrible. Ah, tabasser. Heureusement qu'il y a le tracking là du GPS, hein, parce que waouh. C'est tellement sauvé, je vois même pas la carte. Normalement il devrait y avoir, avec un regard le parc Astérix là. Ah oui. Donc on est à gauche, c'est bien. Bon ben, je le cherchais pas mais je l'ai trouvé. 1480, faut faire gaffe. Donc là on est sur l'autoroute. Il y a un gros château là-bas. Ouais. 400, c'est bien. Fox Tango Charlie en vent arrière, 07 dur. Normalement on était en finale 07 dur pour un point d'option. Pas personne. Ok, on est par là, on va avoir une ligne de chemin de fer devant nous. On va nous croiser droite-gauche, presque à la verticale, perpendiculaire. Bon, Fox, Tango Charlie, on vire en basse pour la 07 dur. Ok, ça y est, ils sont là-bas. Je suis complètement au fait. Alors j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un terrain, j'ai cru que c'était ça, mais on était beaucoup trop loin. Enfin, j'ai pas vu encore, j'ai pas... T'es là en visuel? Non, non, pas encore, mais on sait qu'il est là-bas, vraiment. Ouais. Plessis Bianchi Québec, bonjour. Là-bas, ça va être le patin. Plessis Bianchi Québec, un Tecna P2008, provenance Plessis Belleville, destination Plessis Belleville. On est actuellement au sud de Soissons, donc dans le nord-est de vos installations pour 15 nautiques, estimée verticale des installations dans 10 minutes. Donc là on passe au-dessus d'une mare d'eau. Fox Tango Charlie en finale 07 dur. Alternateur, la charge elle est toujours bonne. Donc là il y a un château avec une ruine devant. Je sais pas ce que c'est. On y réfléchira à la maison. C'est joli en tout cas. Il y a une belle ruine là, regarde. Tu la vois? Ouais, je vois.
Bon ben c'est bien, il y a un château à voir par ici. Après, derrière les arbres. Ouais, il y aurait un barillon. Normalement, on est en vent arrière, puisque 0,7 tue. Ouais, ça c'est mon patelin avec le point tournant. Ouais. Donc, ça sera Nantes et ensuite on prend du 150. Hop là. Le blessé de Fox Novembre Lima, on est au nord-ouest de vos installations, environ 3 nautiques. On a eu un visuel sur un appareil qui dirigeait vers vous apparemment. On approche de Nanteuil, 1300 pieds. Fox Tango Charlie en vent arrière pour la 07 dur. Tango Charlie, ça sera un complet sur la 07 dur. Bon, alors. C'est vraiment on est en base 07 dur pour un complet. Arrivé à 48, je l'avais pas noté, donc c'est bon. On va prendre le cap 150. Ah, tu les quittes, hein, juste genre la fréquence. On va regarder la fréquence, oui. De toute façon, on reste avec eux puisqu'on est à proximité d'eux. Des fois qu'il y a un avion qui se manifeste ou je sais pas. J'avais prévu 1300 pieds. Bon, on est au-dessus de l'altitude de sécurité, c'est bien. Pardon, on est en finale piste 07 du OPC pour un complet. On a un vent de 5 nœuds à gauche. Ah ouais, je vais me mettre par là. Je suis en train juste de contrer le courant d'air qui a l'air de vouloir nous pousser quand même sur la droite. Voilà. Alors, l'autoroute. On va déborder un tout petit peu. Et on va virer, donc on a mis un cap 150. Ça fait 50 degrés à droite, 60 degrés même. Sécurité, moi je vois personne. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a personne, ok. Fox, Tango Charlie, on vire en bas pour la 07. On a un vent de 10 degrés à gauche, backdoor de base 0,5. Alors je comprends de 5 degrés là. Hop, voilà. C'est bon, j'ai réussi à me mettre comme je voulais. Fox Tango Charlie en finale 07 dur. Point complet. Pareil. Ok, tu vas commencer à côté Natis, je te... Déjà ah, bah, attends, on va de toute façon on va descendre. Encore. Ouais, ouais, ouais. Là, avant d'arriver à la Ferté sous joie, alors donc 38, on a 7 minutes. Ça fait 55. Bon, pas une visuelle, on va les quitter. Le Plessis du Fox Novembre Lima, donc on est à l'est de vos installations, route vers le sud, direction La Ferté-sous-Jouarre, en direction de Logne ensuite. On quitte votre fréquence, on est à 1300 pieds. Au revoir, bon après-midi, bon vol. On est un petit peu loin pour la 10, moi je trouve. Ah, on essaye ou pas rien faire? Quand on prend pour 2 minutes.
Le Plessis Lyon Rive Québec, on est dans l'est de vos installations, 3 minutes 30 de la verticale terrain et 1 minute du travers d'Antaille-Laudouin à 1500 pieds QNH 1025. Alors faut faire gaffe, il y en a un qui est à l'est là. Non, ça c'est un liner ça. Ah ça, je crois savoir quel est le patelin là. À l'est. Normalement ça devrait être 125. Alors attends, non, 126. Tu peux mettre 126, hein, s'il te plaît. 126, hein. Ouais. Zulu voilà. Québec, Paris Info. Donc Zulu Québec, vous êtes identifié. Pour votre information, donc il y a du para hein, dans le sud de Nevers également. Et on a déjà dû vous le signaler au niveau du, de l'immatriculation sur, sur le radar. Vous n'êtes pas du tout en Fox Golf Juliette Zulu Québec. Ah, c'est ce que je voulais voir là. Reçu. Donc là on doit arriver, tiens tu vois, il y a les étangs, etc. Donc nous on va continuer tout droit, direction l'autoroute, tu sais, pour intégrer. Ouais. Donc là effectivement on va écouter la TIS. Je te mets la TIS, s'il te plaît. 11h UTC, distance service 08, attention escalier. Dans 0,70 degrés 7 nœuds, maximum 14 nœuds, variable du 360 degrés au 110 degrés. Visibilité 10 km, température 16, QNH 1025, unité 025. Coucher du soleil, 17h32 UTC. Merci d'informer le premier contact que vous avez reçu l'information Foxtrot. Good day, this is my information Foxtrot, we shall do that. 1070. Très bien. À 1025 de le barreau. 25, quoi, je l'avais pas entendu. Merci. Alors en principe, on va... 8h de novembre, on voudrait quitter la fréquence quelques minutes pour prendre la liste d'Ample, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, 8h de novembre. Et j'y vais en dessous. Alors, reçu, 8h de novembre. Ok, d'accord, donc on est là. Bon, c'est bien, c'est ça. D'accord, il y avait un patelin, je le cherche à gauche, en fait il est à droite. 8h de novembre, on est retour sur la fréquence. Reçu. Sur mon scope, vous passez pas très loin du terrain de Buneau, c'est ça? 43. 53. On est à côté de Midi, pas très loin de Buneau, 8h de novembre. Alors en fait, le point c'est les voies de chemin de fer. Et vous allez direct sur Étampes? À terme, oui, pardon. Reçu, donc effectivement vous n'êtes pas trop dans mes, zones. Hein. Le mieux serait de passer avec Seine 134-3. Écoutez, là c'est pas trop gênant. Par contre, il me semble qu'il y a du planeur dans les environs de Buneau-Bonnevaux, donc soyez vigilants. On garde l'œil ouvert pour l'activité du gouvernement. Donc là on navigue à vue. Ouais. Tu vois, d'après rentre dans l'intérieur de chez Pont. Ouais, c'est pour ça, après derrière on passe sur Beau, etc. C'est Beau qui est à droite là-bas. Ouais. On voit bien là. Et le terrain et tout ça. Non, je vois pas le terrain, il est où? Non, il y a le terrain de Beau, bah tiens, il y a le. Je sais pas. Il est quelque part derrière à droite là-bas le terrain en principe. Ok. Ça doit être la surface qu'on voit, enfin qu'on voit. Alors elles sont où mes lignes de chemin de fer, moi c'est ça que je cherchais en fait. Ça a dépassé. Non ben je les ai pas vues, donc j'ai perdu mon point. Donc là tu peux partir à droite. Donc ici on continue, non, on continue tout droit.
On va rechercher l'autoroute et on rentre par l'est. Et à partir de là, on va écouter l'Ognien. Et faire un double touch. Passe au-dessus des lignes de tension. Alors on dit rien. Ouais, c'est dans les 2 minutes à peu près ensuite. Bon, donc là on fait attention puisque tiens, regarde, on a la Ferté sous joueur là-bas. Ah oui, tiens. Fox Romeo Delta en vente arrière pour un toucher en 08. 200, c'est bien, virage à droite. Fox Romeo Delta numéro 1, 08 à dire, rappel final. Fox Romeo Delta, on rappelle final 08 tour. Fox Oscar Tango, piste 08 gazonné, autorisé atterrissage, vent 0,50 degrés, 9, maximum 17,9. Autorisé atterrissage 08 gazonné, Oscar Tango. Alors, je vois personne toujours. Ok, on reste à gauche de l'autoroute maintenant. C'est bien. Bon, j'enlève la carte. Personne, on est à 5 minutes d'écho. Delta piste 0 dur, autorisé toucher vent 0,40 degrés 8, maximum 17,9. Fox en Delta, autorisé toucher piste 0,8 dur. Autour de Fox Golf Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, rebonjour, transpondeur 3730, rappel écho. Transpondeur 3730, on rappelle écho, Fox Novembre Lima. Fox Uniforme, rebonjour, New Piste 0 Dur, autorisé décollage, vent 0,40 degrés 7, maximum 17,9. Joining 0,8 Dur et autorisé décollage, Fox Uniforme. Ah, ça fait une heure qu'on est parti, j'ai rien vu passer. Ah. Wow. Rien à gauche, hein. Rien à signaler.
Donc tu vois, un vent comme ça, 20 nœuds, ouais, en altitude, même à 2000 pieds, ça veut dire que si on est avec des packs, ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément un bon jour pour voler avec eux. Ouais. Fox Romeo Delta en vent arrière pour un toucher en 08 dur. Fox Romeo Delta numéro 1, rappelé final 08 dur. Fox Romeo Delta, je rappelle final 08 dur. Voilà, on est à Echo. Je veux dire, il est passé au Echo là. Logne Fox Novembre Lima, nous passons Echo. Fox Novembre Lima, entrée et rappelé vent arrière 08. Fox Novembre Lima, on entre en rappel début de vent arrière 08. Bon, eh ben on va commencer à ralentir à 2000 tours, 400 tours même. Je vais parler un petit peu. Là, on en profite. On va essayer le 2000 tours là histoire de voir. Non, 2000 tours c'est pas bon. Ah ça va arriver, ah c'est bon. Ouais, ça entre. Bon on peut. 2. Alors le vent, ah bah tiens toi il est tombé à 5 nœuds par contre. Fox Uniforme 3 fois 7 minutes qui était à plus tard. 7 minutes à plus tard avec un cran de volée, la pompe, un cran de volée, la pompe, les phares, et 91 nœuds, c'est bien, faut qu'on ralentisse. On te roule à 80. Donc si tu veux prendre la gazonnée. Ah non, je vais prendre la dure, là ça va aller je pense. Ouais. La 5-5, ça va être bon. Oh là là, la Lyon. Le tour, le Fox Novembre Lima, début de vent arrière, prend un complet sur la 08 dure. Fox Novembre Lima numéro 2, trafic précédent Robin final, rappelé final 08 dur. Numéro 2, reçu pour le trafic en finale, on rappelle en finale 08 dur, Fox Novembre Lima. Romo Delta, attention pas couper le cautionnement de vos petits camarades, piste 08 dur, autorisé de toucher vers 03 degrés 10, maximum 13 nœuds, Romo Delta. Fox Romo Delta, je l'excuse, autorisé à pour un toucher piste 08 dur. Là il est concentré. Pardon. Radley, Là. Lâchez au tableau comme ça je touche pas de réponse. Ouais. Bah, c'est vrai que ça secoue hein. Ouais. Alors j'ai trouvé le damier. Alors on a du 4-1 latéral, 5 arrière plutôt et du 7. Donc il va nous pousser gentiment. Allez on est parti, on réduit. Un son. Là on a du 2 qui nous pousse, ok.
80 nœuds, l'air. Sans pied, c'est bien, je vais y rester. Et on verra. Je prends la pompe, la réchauffe. 70 nœuds. On a du 15 nœuds de travers, donc je vais faire plutôt un 70 nœuds, je le garde. Fox Novembre Lima en finale, point pompé 08 dur. Novembre Lima, autorisé atterrissage 08 dur, le vent 0,20 degrés, 7 à 13 nœuds. Autorisé complet 08 dur, Fox Novembre Lima. 15 nœuds, c'est un peu rapide quand même. Ça branche pas, on est bon. On commence à réduire. Oh. On réduit. Ouais. On ferait. Avec Extrême Uniforme, si vous êtes à l'écoute, trafic ah ouais. Travers droit, un nautique ennemi, un Cessna, route au sud 1400 sans contact. Info trafic reçu, Fox Uniforme. Allez, on le laisse. Fox Romain Delta en vent arrière pour un toucher en 08 dur. Romain Delta numéro 1, rappelé final 08 dur. Fox Romain Delta, je rappelle en finale pour un toucher 08 dur. Delta Novembre, si vous êtes à l'écoute, trafic dans vos midi, un HR 200, 200 pieds a priori. Croisé. On a visuel, c'est croisé, salut Extrême Uniforme.